Tout haïtien qui tape dans une pièce dans la cour États-Unis, eh bien, gon information qui fait tomber là, parce que information ça après fait que tout haïtien qui attend une pièce dans la cour États-Unis content parce que Joe Biden levé main par rapport avec difficulté. Par rapport avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti, eh bien, l'administration Joe Biden a levé main et monsieur rallongé TPS là pour tout ou bien pour un pile haïtien. M'pral ban tande yon avocat dans la cour pays États-Unis cap expliquer nous bien qui ça nous a fait pour nous joindre un nouveau TPS que l'administration Joe Biden a bail qui le combien comme tout information ça yo retendez toute vidéo à net ou a besoin toute information ça yo net pas oublier ou sous information dernier les continuez abonner continuez partager vidéo nous yo pour capable encourager travail que n'a bail là et bien tout monde qui attend TPS tendez information ça yo y a pas utile nous parce que Joe Biden pour une belle décision là parce que tout haïtien qui dans la cour États-Unis, eh bien, entendez ensemble, un avocat qui a expliqué qui ça TPS là y est, qui vient nous capable de joindre Nikounia dans la cour pays États-Unis. De l'immigration, mais il y a tout pas avocat, et même qui l'avocat qui a parlé, je ne dis pas honnête, mais je ne dis pas information à Jean-Lia. La loi claire, elle est précise. Et à ce moment-là, au fait, pendant le bail, déclaration ça, parce que il n'y a pas juste prolonger seulement, il va d'abri des îles, mais c'est toute une série de demandes de monde qui a lobby pour être capable de désirer pour monde qui peut venir après 29 juillet qualifié. Et même dans ça qui est fait sortir comme note officielle, là, comme si notre qui sortit là, il a précisé, il est important pour nous noter que c'est Haïtien qui entre aux États-Unis après 6 novembre, pas la donne. Et il dit n'importe quel monde qui voulait être sous territoire, sous base, après 6 novembre, non, qui pensait que Wagen, il a déporté. Oui, mais. Il précise de ça. Allez-y. Mais Michel, est-ce que ça veut dire, depuis où tu es sous territoire, j'en dis, à partir d'Atsa qui bail là, ou automatiquement est qualifié. Pas gagné de l'autre condition de qualification? Non, pas automatiquement qualifié. Ça, c'est ça, les éligibilité comme c'est base résidence. Là. Parce que pour gagner TPS, il ne faut pas gagner un problème pénal. Ou du moins, soit pas bien ça ou les deux misdemeanors. Misdemeanor, c'est un crime mineur que l'on est capable d'arrêter au monde ou du moins charger mon nom comme ça. C'est un crime qui dit que mon est capable de faire moins qu'un an en prison. Faut mon n'a pas bien qu'un ça ou les condamnations. Soit en quelle autre base, et faut mon pas tout le monde comme si tu as un problème, soit dans la fraude, faut mon pas de problème de violence domestique, faut mon n'a pas de critères que pour mon rempli. Et maintenant, je pose une question, ça m'a pris un pile, parce que après tant d'années, je vais apprendre avec la communauté noire. Parce que la communauté noire, pile de fois, elle explique qu'on bagaille sous base légale. La loi dit A, yo même c'est B, ou vle, yo tande ou dit B. Maintenant, critères 7, ça c'est critères résidence. C'est-à-dire qu'il y a différents critères, y compris critères de résidence. C'est-à-dire pour TPS, critères de résidence sont là à partir de 6 novembre. Point. Maintenant, l'autre critère, il va déterminer sous cas par cas, sous spécificité de dossier. C'est-à-dire de manière générale, automatiquement, sous territoire, ça va veut dire que automatiquement qualifié pour TPS, sous derrière le problème. C'est-à-dire que par rapport à la situation spécifique, la recherche un avocat, ça on va venir à la recherche, un avocat l'a demandé pour aider par rapport à la situation spécifique, l'a expliqué, l'a dit bien un, deux, trois, ou du moins, comment on est capable d'aider. Je ne vais pas répondre à une question de manière générale pour ne pas dire que à tout le monde a appliqué, parce que ça, ce n'est pas le cas. Je vais essayer de présenter TPS là pour un programme qui permet que Haïtiens qui éligibles sont capables de travailler, ils ont tout, un numéro social, sécurité, j'ai oublié là.
Il y a moun ki wèl tankou on ti résidence, c'est qui différence qui gen ou bien qui limite TPS par rapport à résidence là. OK. Bien même TPS pas une résidence, OK? Tout ça nous relè résidence là. Résidence aux États-Unis, j'ai ou défini, il y aurait toujours défini de manière permanente. Ça veut dire mon avocat 4 verte qui bal accès pour rester sous pays sur une base permanente. Si PS là, même j'en vois l'ogue un visa en Saoudi, parce qu'il y a deux types de visa, ou bien immigrant visa ou bien non-immigrant visa. Ok, bon, c'est patience. Immigrant visa, c'est ça, les visa de résidence là. Visa que maman, papa, ou des papas qui étaient citoyens américains, une famille, appliqué pour tout entrer à tout papier ici, tout légal. Non-immigrant visa, c'est un visa qui bosse. Quand on accède pour rester dans le pays à son base temporaire, c'est-à-dire visa étudiant, visa et pasteur, visa prêtre, visa travail temporaire, si PS a non, quelque sorte de visa et tout, parce que l'État n'a jamais bon accès pour rester dans le pays à son base permanente. Ok? Donc si on va entrer dans. On va parler de résidence, tout le monde a pensé que vous avez été, vous avez dit accès pour l'été. Si PS, c'est un espace temporaire que vous avez pour protéger certaines catégories de monde qui sortent dans le pays, qui ont une situation dans le pays qui est temporaire aussi. C'est-à-dire n'importe qui sous TPS, les parents de sous TPS a espoir que vous capable de gagner une résidence, ça ou une résidence sous base permanente à partir de TPS. Bien entendu, nous capable d'entrer dans ça plus tard, parce que là, on va parler de l'immigration, où chaque bénéfice, TPS a son bénéfice, chaque bénéfice ou à peine dans l'immigration, faut qualifier pour lui. C'est-à-dire capable de qualifier pour TPS à partir de critères ABC, comme ça, vous capable qualifié pour un cadre permanent sur les résidences là, à partir de critères C, D, E, F. Parce que mon TPS, ça veut dire que le pape j'aime quand on green card. La bonne green card, sur l'autre base, qui c'est l'autre bénéfice peut-être qu'on a qualifié pour lui, mais pas qu'à sortir dans TPS, qui c'est un statut temporaire, protégé à partir de conditions temporaires pour venir dans le pays, pour venir rester dans le pays à son base permanent. So, pour conclure, on ne peut pas sortir dans TPS qui est statut temporaire protégé pour une résidence permanente directement. Le grand pile monde qui était appliqué pour TPS le 29 juillet l'année passée, mais jusqu'à présent qui n'a pas recevoir aucun document, et c'est pas parce que il n'y a pas de retenu, mais bon, lenteur dans le niveau ça. Qui ça qui exigeait, qui ça y a réclamé, comment on est capable d'appliquer, qui ça a amendé pour appliquer? Ok. Alors, on parle de l'immigration. Il faut toujours prendre en considération trois aspects. Aspect légal là, qui c'est ça veut dire que le monde qui peut la partir de telle date, qu'a qualifié pour lui. Aspect politique là, c'est tendance politique qui sont au pouvoir et qui ça ouvre bail pour mettre une plus bonne position pour la prochaine élection. Et l'aspect qui est l'aspect le plus important, c'est l'aspect économique. Chaque temps, pays a décidé pour l'acquérir plus de monde, pour bailler plus de monde en bénéfice pour se rendre compte, un coût économique, ok? Là, il y a parlé de monde qui était appliqué déjà, qui n'est pas de joindre. Aspect économique a venu en termes de route parce que pour aider, pour procéder cette application, il faut gagner des ressources pour ça, ressources humaines, ok? Mais on est capable de dire que la majorité du monde qui était appliqué pour TPS l'année dernière, qui pas jeune, il y a plusieurs raisons que ça n'a pas jeune. Première raison, c'est que tout le monde a appliqué avant l'heure. Parce que bon bagage qui est les Federal Registry, qui se semble qu'on considère comme moniteur pour les États-Unis, ok? Tout autant moniteur n'a pas sorti pour dire que les gens qui qualifient pour TPS qui sont sur l'ITU sont capables d'appliquer, mais à partir de qui date pour vous application, nous n'avons pas vu l'application à l'époque. Parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de particuliers qui pas qualifié pour ça, qui peut faire envoyer application, qui vient faire que vous mettez nos parle parce que vous ne parlez pas de ça. Il y a des gens qui pas jeune TPS, c'est parce que vous avez une question, une grande question, que vous ne pouvez pas répondre. Et c'est ça qui fait, en pile de fois, souvent en particulier en pile pour vous, il y a un peu de bail qui ne parle pas. On dit par exemple, question 15B à demander, est-ce que vous êtes marié ou en quel côté 15B ou bien 15A? Est-ce que vous êtes marié ou souvent répondre à une question ça? Là, je fais deux ans, mais je ne peux pas faire un processus. Okay? C'est-à-dire, chaque question supposée répondre,
pas oui ou pas non, sont pas connaît ou mettez que pas connaît. OK? Maintenant, moun ki pa ko jwenn CPS jusqu'à présent d'après ça me comprendre, d'après ça qui discuté même dans les coulisses. Bon, d'après ça discuté